Allez voir un film récent au cinéma, sorti il y a quelques mois pour seulement 3,50 €. C'est l'objectif de l'opération Cinémagie. À l'initiative du Ciné-Triskel à Luçon, cette programmation accessible à tous est réalisée en partenariat avec le cinéma, la ville de Luçon et les enfants du Conseil municipal des jeunes. À chaque vacances scolaires, en dehors de celles d'été, une sélection de 12 films pour petits et grands à découvrir ou redécouvrir est ainsi proposée. L'objectif recherché pour un programme comme celui-ci, c'est de fédérer les enfants pour faire un programme à tarif réduit de films qui ont déjà été diffusés dans les salles. Je leur donne une liste de films, ils font un choix, ils notent les films, puis après, moi, en fonction de leur choix, je fais le programme pour les vacances, en l'occurrence pour les vacances d'avril. C'est des films qu'on a déjà vus, mais qui sont à tarif réduit pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens. Et puis, on essaye aussi de faire un truc festif. Et l'idée, c'était d'associer la commune de Luçon pour ce partenariat, de façon à ce que le programme soit diffusé dans les écoles. Durant ces vacances de Pâques, c'est-à-dire jusqu'au 1er mai inclus, 12 films sélectionnés par les membres du conseil municipal enfants de Luçon, parmi une liste de 25 films, sont accessibles au public pour un tarif exceptionnel de 3,50 € la séance. Avant chaque période de congé, les jeunes et les responsables du multiplex 5 salles de Luçon se rencontrent pour attribuer des notes aux films proposés pour construire leur programmation. Alors bah en fait, on a un texte et j'ai lu tous les textes des films et après je les ai notés sur 10. On avait une fiche et on avait des films et il fallait les noter sur 10. Et aujourd'hui, il nous demandait notre avis et on donnait les notes. Et on avait lu le petit résumé. C'est bien de noter les films et après de faire venir les gens au cinéma pour pouvoir se divertir pendant les vacances. Actuellement, des films ayant été en tête du box-office il y a quelques semaines intègrent cette programmation particulière, mais également des longs-métrages classés arrêt-essai. L'idée, c'est de faire la part aussi de films qui sont recommandés à RSA. Alors quand je dis recommandés à RSA, ça ne veut pas dire que les films ne sont pas accessibles à tout le public. Ce sont des films un peu différents, comme des blockbusters comme on a eu Astérix ou d'autres animations comme ce qui est sorti Le Chapoté l'année dernière, des choses comme ça, qui sont souvent, eux, choisis par les enfants. Et c'est pour ça que je fais aussi, moi, un choix de films recommandés à RSA, parce que c'est bien aussi de faire découvrir autre chose que ce que tout le monde a l'habitude de voir, et souvent des films très intéressants. Alors n'hésitez pas à profiter de ces vacances de Pâques pour aller au cinéma à un tarif défiant toute concurrence. La programmation est à retrouver sur le site internet du Ciné-Triskel et de la ville de Luçon.